Nous saluons tout le monde qui est là. En fait, même si c'est un privilège ça est pour moi pour et participer ensemble avec nous et spécialement avec Coach Ricky. Écoutez, nous allons parler de Binance aujourd'hui. Donc, et non pas c'est Emmanuel, donc en général, puis faut Emmanuel Yuri Lemano. Donc, nous avons fait connaissance avec Ricky, ça a eu environ un an. Et sincèrement, je me dis que c'est un plus gros rencontre que je me fait depuis l'année passée. Donc, nous arrivons à une partie qui est très importante. Objectif court, côté nous allons commencer à faire connaissance à une plus grosse plateforme qui gagne, qui c'est dans le domaine et crypto-monnaie, qui c'est Binance. Et c'est un côté tout qui a plusieurs et en plus l'argent qui a passé là. Donc, je dis, nous allons, bien que en plus le monde là qui a fait connaissance avec Binance déjà, et de gain qui gagne à 40 déjà, donc même sous gain à 40, et ça qui arrive que dans San Paulo aujourd'hui, il y a quelques bagages qui n'ont pas de connaît ou qui vont arriver. Et je dis à nous pour avancer. Et qui ça Binance? Nous avons dit Binance, c'est un échangeur, ça a l'exchange. Hein? C'est lui-même qui permet d'acheter, vendre et ou capable de stocker et crypto ou bien la Kylie. Et c'est un pigou, j'en te dis, la pigou exchange. Hein? Et soit les sous. Après qu'on a fait exercice ça, aller sur CoinGecko, aller dans la partie Exchange, et pour après Binance, faire partie de top 3 pour les plateformes qui ont côté gain plus l'argent qui a généré sur. Donc, étant donné que vous avez fait deux voix sur Binance, premier bagage nous allons faire, nous allons monter sur exactement. Ma chère, comment ça m'a fait? C'est tout qu'on a ouais comment si nous a juste qui ton message dans le chat a dit oui nous well. Tout qu'on ouais comme ok bagay bon ok bon ben c'est deux trois mon réponse à vite donc tout qu'on ouais. Alors, c'est interface Binance, oui, et avant de arriver plus loin, je dis que donc ça c'est un browser que nous utilisons, surtout sur notre domaine crypto, par exemple Braves. Mais Braves, c'est un browser que nous utilisons pour nous servir dans le domaine crypto-monnaie. Bon, nous avons dit qu'il y a plus de sécurité par rapport à l'autre, comme Firefox ou bien Google Chrome. Donc, les mêmes lignes comme c'est pour crypto lié, donc après que les mêmes rapports avec Wallet tout, si vous cliquez là. Et comme si vous voyez, on jambe d'abord. C'est pour façon pour nous dire que l'on a utilisé les plateformes pour monter sur, on a conseillé nous utiliser Braves. Donc, il est bien avantageux par rapport à votre système. Bien entendu, il faut toujours make sure que vous avez un antivirus sur le laptop pour éviter le piratage à un certain degré. Donc, si vous regardez là, ça interface crypto et Binance. Bien entendu, même si Binance comme on utilise, que mon États-Unis et malheureusement pas qu'à utiliser. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont en dehors des États-Unis qui sont capables d'utiliser la plateforme ça, qui est Binance.com. Là, c'est une plateforme là. Et là, on finit de créer un compte où c'est comme ça la pied. J'en ai là. Voilà, moi, tout va être normal. Donc, premier bagage pour faire avant nous ou déposer comme soit 40 ou, c'est parti vérifier l'adresse là. Donc, info, c'est une info personnelle que vous avez. Donc, là, il y a mon adresse et après, il y a mon preuve d'adresse, comme si on bilot et payé, tout ça. Et deuxième bagage, qui est bien important, c'est de créer un compte, non pas que vous ici, ça arrive comme si vous connaissez qui est sous exactement. Allez dans la partie sécurité.
cliquez là-dedans. Ok. Donc, il y a une partie sécurité. Il y a trois parties qui sont très importantes pour être capable et comme si activer là-dedans. C'est tout factor authentication dans DFA, que même je fais à partir de Google Authentification. Et puis, l'identification que vous faites à partir de vérification pièce. Et puis troisièmement, c'est un code dans la main que nous chaque fait. C'est un code ça est vraiment important. Deux parties ça sont pas faire ou pas ni déposer ni acheter ni faire retrait. Et partie ça ou obligé faire dans le sens que pour éviter quelques informations qui capable vérifier concernant Binance. Par exemple, moi faire qui raison est important dans Binance. Par exemple, les Binance vont un email ba ou après que code ou te mette pour lien toujours accompagné de email nan mwa mou ke yo bagay men ni men code mwen voilà dan authentication code lan il très important les Binance avoir email ba ou c'est une bike c'est une façon à permettre d'identifier si email que ou recevoir là est-ce qu'il sorti de Binance exactement ou bien de l'autre monde qui a passé piège. On ne passe pas cette semaine. Ok, mais on se fiche une code moyen. C'est un ancien nom. Il m'a dit pour me changer. Il m'a obligé de changer. Nous, même si nous avons dit qu'il m'a dit nous créer, nous avons créé. Et nous avons dit nous importe aussi. Par exemple, nous avons allé sur email mail là. Où est-ce? Où est-ce le marqué? Mais même moi qui moi besoin l'argent donc ou même mon cas écrit l'autre bagaille et tout email qui vérifie de Binance a même message ça ouais bien tout email Binance a voyé pour de pour elle pas gain anti phishing code ou sortir écrit là-dedans mettre qu'on est pas sorti de Binance exactement mais même mettez pas moi ou même après ça sur votre profil pour ajouter tout même j'avais. Donc depuis un email venu de Binance et pour elle il pas gain code ou ajouter là-dedans donc tout connaît que email ça il pas sorti il pas authentique il pas sorti de Binance. Donc, ça c'est une barre qui très important faire dans partie et sécurité. Donc l'en fin sécuriser account nous gain nous vérification pièce nous faire et Google authentication nous donc nous vienne éligible pour capable déposer, faire retrait, acheter et puis vendre sur une autre plateforme qui est dans le domaine plus commun qui c'est Binance. Donc, qui moyen est capable d'acheter avec Binance? Il y a plusieurs façons capable d'acheter à Binance. Par exemple, vous allez là, dans le crypto, je dis mais qui moyen est là? Vous pouvez faire bank deposit, vous pouvez faire credit card, vous pouvez faire P2P trading. Donc, deux dernières parties, on ne va pas vraiment utiliser, mais ça, étant donné qu'il n'y a pas tout pays qui est capable là-dedans, donc on peut entrer là-dedans, par exemple, entrer là-dedans. Top. On va garder qui l'argent au bail. Ça est tout l'argent au café des positions. Moi, l'argent Brésil là qui c'est réel. Mais l'argent russien, par contre, comme tu as d'informations que Russie va bloquer toutes les informations, ça va continuer à être un US dollar. Donc, ça c'est quelle monnaie qui est capable de faire déposit à moyen pour ton banque sous Binance. Et l'autre façon qu'on peut acheter crypto,
Ça qui est plus facile, là, c'est pas débit crédit card. Allez dans débit crédit card. Par exemple, ça va avec nous. Allez là, par exemple, si à US n'a pas acheté, nous mettons mon temps n'a pas acheté US là. Allez. OK. Je vais là, par exemple, il va nous montrer, par exemple, monnaie, il dit, mais qui s'en a pris sur quoi, s'en a pris sur Bitcoin, par exemple, il dit, n'a pris sur quoi, Ethereum, tout, ça dépend de nous-mêmes. Il dit, nous voulons acheter un Ethereum. Il dit, mais combien il a coûté nous? Et puis, nous fait continuer. Et puis, il va dire, nous mettez information personnelle sous quatre noms, pour ajouter, ben il a. Il va dire, nous mettez information personnelle, nous piquons pas avec des bouts de crédit card n'a pas acheté. Aussi simple que ça. C'est un moyen qui est très facile pour déposer code sous Binance. Ensuite, le finger code sous Binance, sous voulez ou qu'a acheté crypto que vous voulez. En général, les conseillers peuvent acheter USDT. Parce que imagine au final acheter Ethereum, on a besoin de acheter l'autre bagage ou pas ajouter l'autre comme celui. Il préférable acheter USDT à Cobla. Par exemple, si tu gagnes $2,000 ou pas l'acheter, achète $2,000 USDT. Et puis, quand vous gagnez ou pas l'acheter crypto que vous voulez acheter avec là. Vous pas obligé chaque temps ou acheter Ethereum, ou acheter Cardano, ou acheter Bitcoin, ou bien acheter Matic. Tout ça aussi, frère, à payer. Le préférable, acheter USDT, parce qu'on peut acheter tout avec USDT, acheter tout. Quand vous avez acheté crypto, vous achetez USDT avec elle, et pour payer un seul frais, vous allez avoir éligible pour acheter tout votre crypto. Et l'autre moyen qui est plus simple, USDT soit à 40 pour acheter crypto, c'est aller dans Wallet, aller dans Fiat and Spot. Petit temps. Okay. Okay. Et bien, nous venons partir ça. Nous faisons wallet, pas oublier. Nous faisons wallet, après ça, nous faisons Fiat and Spot. Et bien, nous venons partir ça. Et nous venons là, nous tapons quoi nous voulons acheter. Imaginez, nous voulons acheter Matic. Mais il faut assurer que quoi nous voulons acheter, il est sous Binance. Parce que ce n'est pas tout quoi nous bien token que nous capables de jouer sous Binance. Là, nous vivons sous prenant là, ou bien token là, nous allons dans le public market trade là. Pas oublier, nous allons dans wallet, Fiat and Spot. Après ça, nous vivons là, nous tapons non token ou bien quoi nous voulons acheter là. Et puis, nous vivons là, nous vivons là, nous tapons sous trade. Nous cliquons sous trade, il va dire nous, mais pas qui ça nous a acheté Mati. Nous achetons, mais tout le monde, étant donné nous avons USDT. Soit quand nous déjà pas oublié, m'te dit, li préférable d'acheter USDT, mette soit quand nous après ça n'a pas acheté token nous voulons, et puis là, nous choisi pair qui nous gagne moyen là-dedans, pas bien gagne USDT déjà, nous sommes achetés par moyen 4 nous cliquons sur Matic/USDT. Nous cliquons sur lui.
arrivé là. On a là-bas un petit problème. OK, l'arrivée là. Il dit nos limites, market, mais stop limit. Limite, on veut dire que nous n'avons ni nos niveaux, non prix pour nous acheter. Market, on veut dire n'a pas acheté le prix market qu'il y a exactement. Limité comme si sont à l'air tout à l'air livré dans tel prix après ça pour l'acheter dans la limite pour vous acheter là donc on imagine même si ma partie au niveau que lui est là acheter là maintenant puis maquette là et puis on dit beaucoup bien ma pour l'acheter on dit ma partie en bas mettez combien comment va acheter pas oublier j'ai $115 USD disponible pour m'acheter on dit ma partie pour $30 matic. $30 USD matic. Et puis, je clique sur buy matic. Je vais acheter là. Oui. Si je regarde, je vais 19 matic disponible. Même processus là pour vendre. Nous faisons comme si nous tapons vendre toujours. Nous tapons nos points dans la jante, tapons pour nous faire matic. Nous arrivons là, nous disons que nous avons vendu matic, nous partons dans la partie seule matic. Nous avons toujours été dans la maquette. Et puis, imaginons, nous disons que nous avons vendu tout matic. Et puis, nous cliquons sur seule matic. Après, le cobble a retourné, une 115 encore, bien que vous preniez un frais là-dedans, ce n'est pas un problème, c'est juste pour nous comprendre. Pour les gens qui n'ont pas vraiment bon idée comment pour acheter sous Binance ou bien vendre. Donc, imaginez que vous avez acheté, vous avez vendu là, vous avez vendu 19 matic, vous avez vendu 0,28 matic qui est disponible. Si vous voulez acheter dans la limite, vous avez mis là, et puis vous avez dit, mais qui prime vous acheter matic là, et puis vous avez mis combien de matic vous voulez acheter, mais combien de vous avez venu, et puis vous avez acheté. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Mde wè matik nou bon pri. Si tou market la vreman down. E pi m'achete matik nan pri market lan. Pa bi log di wap achete nan pri market la, sa vi di se pri liye koumyan. Wap van nan pri market lan, se men baga la, se pri liye koumyan pou vle van. Si yase tout moun kompon, si yase kyesyon nan pati san rivye a, nan pre kotan, pou kab leve moun, nou pa pran pil kyesyon. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Une taille de notification. Ce qui différence exactement qui vient si nous achetons entre limite là ou bien stop limite là. Nous devons comprendre limite là, j'en dis là, là même pas qu'on finisse saisir bon, et stop limite là. Yeah, dès tout ça, stop limite là, par exemple, notre stop limite là. Par exemple, na, mettons, si nous mettons prix là, climatique et puis à limite n'a venir par exemple là dit là m'a metté 1.80 ou bien 1.79 et comme si son alerte mettait sous lui depuis le rivé là pour commencer préparer pour le cap vendre ou bien acheter matic là pour moi sans problème on comprend mais nous pas besoin trop inquiéter nous pour terme ça parce que nous pas comprendre puis devant le rivé dans partie côté nous allons commencer à apprendre comment pour nous trade, comment pour nous placer en order limit ou en stop limit ou bien market order. Vous copiez, monsieur Alain Gauthier. Oui, d'accord, merci beaucoup. Okay.
Monsieur Samuel, on mieux tait tout. Oui, Mano, salut. Écoute, gon bout mwen perdu nan explication sou bay talwe, hein? Alors, mwen actuellement là, mwen sou Binance, OK? Le mwen clique sou trade et gon fenêtre ou même ou gen paraît pou, c'est ça mwen perdu, en bas ou kote fenêtre la monte. Le mwen clique sou, le mwen fin choisi matik par exemple, OK, li paraît nan liste là. Donc ou clique sou trade. OK? Alors, gon bout mwen perdu. Ok. Ou te choisi monnaie ou te gen deja, pa vre? Oui, par exemple, Moi-même, ma chanche permet qui est disponible. Comme c'est exactement. USDT, je gagne sur account, moi choisis Matic slash USDT. Très bien. Moi-même, lèm clique sou Matic BTC, m gen BTC sou kote mwen. Lèm On clique gagne. sou lise la m perdu ya. Qui ça le bon? Alors, li bon mon fenêtre, OK? Oups, excuse-moi. Hein. Oui, liban mon fenêtre, même pas gain option comme si même petit fenêtre qui paraît de ou gain là qui paraît là, donc ou spot là m'pa gain moi-même. Est-ce que tu fais le même processus avec moi, aller dans Wallet et pour aller dans Fiat Sport pour chercher Matic pour faire ça? Très bien, me fait exactement même bagarre là. Quand y'a l'aime cliquer sur lui, me choisit ça me besoin. Hein. Donc, m'pa gen fenêtre ça, ou même ou gon fenêtre qui marqué en l'air spot, mwen wè m'pa wè, m'pa kon si se yon ba m'pa klike pou l'paret. Ok. Ça me fait un peu ça après, je vais regarder si ça fait bon ça. Ah, Ben, ben, n'est-ce ok. pas comme gain? Oui, point com. Ok. Nous allons garder ça parce que nous voulons juste garder si nous avons bien saigné pratiquer Ok. nous avons fait pour nous avancer. Ok, très bien. Monsieur ou Madame Dor, nous prenons le dernier mot. Monsieur ou Madame Dor, vous mettez une tête pour parler. Oui, et bonsoir. Bonsoir. Et en fait, et si m'gon account Binance, et puis m'te fait li avec un email, qu'on y a le que m'a besoin remonter sur account là, email là par téléphone. Ça y met Donc, la gain. email là pas vin sous téléphone que m'a gagné. OK. Qu'on a, y a demandé pour ces emails, mais faut qu'il me l'a disponible. Sylvain, bonne difficulté, ça. Comment me faire pour me rejoindre contre moi? M'attendez bien, non? Y a demandé qui ça? Yo mandé me faut qu'il me l'a ta sous téléphone moi. Donc si sim n'a pas nan même, comment m'a fait pour me rejoindre contre ça? Ou t'es activé code la passim? Exactement, exactement. Par téléphone? Oui, pas sim téléphone, email. Non, Merci. c'est son email lié. C'est son email lié. Excusez-moi, ma réponse. Oui. C'est son email lié. Ou cas toujours, ou cas toujours, ou pas qu'à login ensemble avec email ça sous nouveau téléphone, non? Oui, yo dit non, faut mettre numéro 1. Il y avait un message de confirmation pour me joindre pour email stable sous téléphone. Yeah, ça veut dire y a un code de confirmation sur email que vous avez créé le code Binance là. Oui, il y a voyé son numéro de téléphone et puis pour email le setup. Non, y a voyé ce numéro de téléphone ou ça sur email. Non, il y a voyé, pas oublier, email n'a pas sous téléphone, il y a voyé sous numéro téléphone là, pour me cacher un email là sur téléphone. Ma fin tellement comprendre. OK. So, on va parler de l'app et login sous compte là, pas vrai? L'app login sous Binance, pas vrai? Donc, Exactement. il y a voyé un code sous numéro téléphone ou soit sous email. OK, email là besoin mettre le sous bam 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 on t'ai expliqué le briquet. On besoin mettre email là sous téléphone là. Qu'on y a eu mandé faut que moi vérifier numéro me te fait email pour le monter pour email la monter sur téléphone Ok, numéro te fait email là. Ou pas gagné? oui il est pas là même yo mandé faut que moi mettre Eh bien, si ce qu'on a fait là, si vous n'avez pas l'autre façon que vous login avec email là, si vous n'avez pas. C'est son email qu'on a perdu. Si vous n'avez pas l'autre façon que vous
essayer et reset passe et mot de passe là ou soit quelconque sous pas gagne numéro de téléphone si c'est ça sorte gagne son email qui perdu lié. Ah OK. Donc ça pour faire essayer à laisser et cliquer dans oublier de mot de passe pour essayer au bon l'autre et il y a une option pour changer mot de passe là et puis pour être capable de gagner un nouveau password et puis changer numéro de téléphone côté gain sur email là mettre nouveau numéro de téléphone pour gagner qu'on a mais numéro et ancien numéro de téléphone ça pas accès à lui quand même et j'ai accès à lui mais non l'autre zone donc si m'en vient pas monter. OK, so seule option gain c'est si seule option gain c'est ou attendre ou aller dans l'autre zone là et si c'est en Haïti que ça côté ya ou pour vous étendre pour le ou capable de recevoir message au soir ou après c'est créer et faire ça qu'elle oublier mot de passe là et puis change essayer changer mot de passe là et puis le sous changer mot de passe là ou capable de connecter et puis on s'assure bon une autre façon pour connecter sur email là qu'on y a là ou capable aller à changer numéro de téléphone là mettre nouveau numéro de téléphone qu'on gagne qu'on y a là. Ah OK d'accord merci beaucoup. Ça et moi c'est que et n'apprend deux monde qui pose question n'apprend simplement pour nous avancer moi nous m'a parlé et maintenant après répondre. Madame Jello met une mot tête. Et bonsoir Mano, bonsoir à tout le monde. Mano parle comment bonsoir. Pour nous mettre compte sous Binance par carte de crédit et puis par banque. Est-ce que nous pas transférer comme sous Binance de comme des échanges comme sur toi sur ta toilette mais envoyer sous lit bien sûr en l'autre plateforme est-ce que ça pas possible beaucoup arrivé là dedans non comme si vous voulez parler de sortir dans l'autre plateforme à Binance oui c'est sous Binance c'est ça ou montrer comment pour nous mettre comme sous lit. La venue sur partie satale. Oui, la privé dans partie côté pour faire des pouces avec Quitrayage. Pas de problème. Merci. Mr. Jean. Mon dernier monde, Mr. Jean. Alors, moi, salue tout le monde qui sous plateforme. Ce n'est pas une question, c'est de me développer des amis. Mais. Je trouvais que Ricky Bali a une réponse satisfaisante. Moi, je crois que vous êtes capable de continuer. OK, merci. Bon, on va avancer. Donc, nous venons voir comment nous avons acheté et puis vendre sur Binance. Nous allons passer comment nous sommes capables de faire. Déposit ou bien retrait sur Binance. Allez dans wallet, ou ka cliquer sur OFI ou bien Fiat and Spot, même cliquer sur ça, Fiat and Spot. Habillez, il faut que c'est sur ce dans wallet et puis Fiat and Spot. Jusqu'un bêtier mieux, conseil m'a ban nous jusqu'un bêtier mieux, déposit, withdraw. C'est presque même bagala dans l'autre plateforme. OK. N'a pas déposé, n'a pas avancé. Nous arrivons là, menu. Si n'a pas gardé comme non, là bien. Après déposit, après withdraw. Et ça nous fait, si n'a pas déposé comme, par exemple, qui sorti sur l'autre plateforme pour venir sur Binance, si n'a pas retiré comme nous fait. Nous avons mis le token qui était sur BTO. Nous avons vu sur Binance. Qu'est-ce que ça fait? Nous faisons déposit. Nous cliquons sur déposit. Cliquez sur déposit crypto. Vous faites déposit.
cliquer sur déposite et puis on choisit crypto parce que c'est crypto n'importe et puis on m'a dit une qui coin par exemple nous avons USDT sous Tospi à Tos Wallet non sous Wallbit donc dans l'espace côté nous avons marqué coin non on clique là dedans et puis on choisit USDT quel que soit coin non tu veux déposer à même pour ce site. Et pas si bien important de déposer un coin sur un exchange à l'autre ou bien de retirer un coin sur un exchange à l'autre. Ça, c'est le network là. Tout ce qui est ça, pour les gens qui peuvent connaître, ni réseau qu'on choisit là pour toi déposer coin non, c'est même réseau ça qui doit pour toi retirer coin. Par exemple, j'ai USDT sur Orbit, et ben m'a recevoir. Je choisis réseau, mais deux réseaux qui sont moins chers, c'est Tron, Solana moins cher, oui, même pas vraiment utilisé, et puis BP20. Même moi, Tron, je choisis Tron. Chaque réseau a une adresse qui marche ensemble avec vous. Donc, ça fait, les WAP déposés en coin sont exchangés en l'autre, toujours assuré que vous choisissez même réseau dans tous les espaces que vous marquez, Network là. Nous avons choisi là, et puis là, on copie. Immédiatement, on copie l'adresse USDT. Et bien, là, on fait retrait sur Wallbit. Et on m'a dit, qui adresse m'a envoyé token là, qui bon. Et puis, m'a mis l'adresse à copier là. Mettez, on copie dans l'espace libre, on fait ça sur Wallbit. Et puis, il a dit, qui réseau? Et puis, m'a choisi réseau TRCV. Ou même, t'as vu combien de cobs vous voulez, il y a pour $1 seulement. Et pour faire ça, donc parfois, réseau, ou qu'on a fait des dépôt au mando, vous mettez mémo. Il y a des tokens qui sont mando, vous mettez mémo. Pas j'ai oublié ça. L'on a fait des dépôt sur un token, ou besoin qu'on qui réseau. Pour choisir réseau A, après ça pour choisir adresse là, après ça pour prendre adresse pour copier le côté comme la sortie. Et parfois, il m'a des mémos, donc pas bien mettre mémoire. Ça, c'est pour si vous avez déposé crypto. Même pour ce si ça pour n'importe quel token, non, choisir, par exemple, choisir Bitcoin là. Demandez qui réseau. Choisir n'importe quel réseau là, par exemple, quand choisir. Réseau Bitcoin et puis le bon mot adresse. On copie adresse ça. Exemple si on moun nan n'importe côté lié dans mode là, li tou la focado on ti Bitcoin. Et bien on va faire même processus mon autre fait là, on aller dans wallet pour cliquer sur fiat spot et pour cliquer sur deposit, li vinn bon espace ça, on choisir deposit crypto, l'arrivé là vous choisissez Bitcoin et vous copiez l'adresse là. Meni. Copiez l'adresse et vous voyez l'adresse là. Et pour tout dire, vous avez sur qui réseau pour le voyer le bout. Et puis après quelques environ maximum 60 secondes, comme là, Bitcoin n'a privé sur wallet. Si vous avez besoin de retrait, par exemple, vous avez comme sur Binance, vous avez besoin de voyer sur Chos Wallet ou bien sur Orbit. Comme nous autres fait déposit de Orbit à Binance, qu'on y a nous allons faire. Par exemple, besoin voyer Ethereum. Besoin voyer Ethereum sur Chos Wallet. Ça me fait aller dans Wallet, Fiat and Spot. Toujours que Bitamio, déposit ou retrait. Réseau. Toujours songer ça. Lorsque vous voyez un token, network là important pile. Et que si vous mal mettez network là, vous perdez le token. Ok. Exemple, on dit que on besoin retirer BNB ou bien Ethereum pour me voyer sur Chos Wallet pour m'acheter Mimi token que on compte bayo. Et sur Binance, m'gen quoi blanc, on fait withdraw parce que c'est là la sortie pour aller sur Chos Wallet.
aller dans withdraw crypto à droite là, monsieur tout Manuel, on clique sur lui. OK. OK, mais j'ai acheté mes tokens qui sont Ethereum yo, on choisit Ethereum, on retire Ethereum gain sur Binance pour m'envoyer tout ça sur wallet. Donc, m'a aller sur ça sur wallet. Faire recevoir, m'entrer dans sur Ethereum là même faire recevoir et puis lui dit me copier adresse et puis me copier adresse là. Donc, je mets l'adresse là et puis choisis réseau Ethereum. Et puis, je mets l'adresse là, je suis éligible pour me faire retrait sans problème. Je souhaite tout le monde bien gardé. Allez sur ta toilette, vous prenez l'adresse Ethereum ou sur ta toilette. Et puis, on va te montrer comment pour copier l'adresse là. Et puis, vous venez copier là, dans la partie qui est pour l'adresse là. Et pour choisir network là qui c'est ERC20 et puis vous faire processus ça tout combien comme d'apprend sous quantité sous soit pas le voyant et puis vous met ça qui un petit Ethereum ou de transférer donc nous fait là et bien après un petit temps comme la privé sous chose wallet tout qu'on a éligible pour acheter mini token que on bail très souvent sous groupe là. Par exemple, vous voulez acheter BND pour faire sur votre wallet ou pour acheter token qui sorti sur réseau BSC. Et sur Binance, on a toujours fait le même processus là. Wallet, nous fait fiat and spot, nous fait withdraw, et puis nous fait withdraw crypto. Il vient de nous payer ça. Et nous arrivons là. Nous avons cherché BND. On clique sur BNB et puis tout va être correct. Juste aller des adresses dans BNB qui sont sur soit les trois côtés là et vous choisirez réseau à vous. Il y a deux réseaux qui sont disponibles pour lui. Soit choisir ça et bon, ok. En général, nous choisissons ça. Après ça, pour nous soit BNB en BNB Smart Chain sur soit les nous choisissons ça. Et puis, vous voyez là, la tout ça. Vous voyez là, et vous mettez l'adresse là, et vous choisissez réseau. Et puis, en général, il va y avoir mes sur la toilette. Et puis, vous transférez comme vous avez gagné sous. Vous avez bien mis sous Binance, vous transférez sur la toilette. Et même processus là, vous avez gagné Ethereum sous Binance, vous transférez le voyage sur la toilette. Ou qu'on y a, ou a bien ni BNB, ni Ethereum. On y a l'air, ou bien même token yo. À l'aise pour acheter sans problème sous chose à l'aide par moyen d'exio qui c'est une swap pour Ethereum, Pancake swap pour BNB Smart Chain. Donc nous on qui j'en ont qu'à retirer de crypto nous sous Binance à un autre exchange, nous on comment tout nous capable déposer très facile. Binance est vraiment vaste et on fait un petit pour nous prendre deux questions si bien et puis on va avancer. Dernier gmail.com et c'est une minute tout pour parler. Merci en pile et question d'âme est posée, par contre si vous êtes en fait. Donc aussi vous gagnez cob sous Binance, est-ce que comment vous faites pour te ca et pour un cob là mettre cob là sur account ou est-ce que vous faites ça vous? Par contre c'est moi bat finir des questions bien non je pose le maintenant. Ok et m'a salué où question d'un
Est-ce que vous faites démonstration si ton coup t'as gagné comme sous Binance et puis t'as voulu mettre comme là sous account? C'est pas sous l'autre. Ton account bien coup? Yes. Ok, Ntale. Et madame, bien, Élisée Vaillant, madame ou monsieur? Bon, monsieur, c'est mieux tête. Si. Bonsoir. En fait, je saisis... Bonsoir, comment est-ce? Enfin, je saisis toute démonstration faite sur Binance, sauf que j'ai un petit nuance toujours tout petit, parce que l'Europe dit « buy crypto », c'est-à-dire c'est avec 4 de débit ou capable d'acheter 4 de crédit ou bien par l'autre moyen. Et là, on peut aller pour transférer de une exchange à l'autre. C'est presque le thème déposit là avec le droit, le trait avec déposit là. So, c'est presque une nuance qui gagne. Donc, si moi, je fais un déposit sur Binance, par exemple, besoin d'acheter crypto, c'est comme si je fais un déposit. C'est comme si je le mettre comme sur Binance pour faire des actions. Mais là où justement utiliser le thème buy crypto. Et puis, quand il y a l'autre pour aller changer le exchange Binance, par exemple, avec L-Bank ou l'autre. Donc, c'est toujours le même thème, dépositant et puis withdraw. Donc, continuons cela pour moi, mais quand même, il saisit. Par contre, ça qui est un petit jeu, pourquoi aller ce point, c'est parce que pourquoi l'autre exchange, c'est Binance seulement qui m'a utilisé tout. Et puis, je suis vraiment à l'aise avec notre exchange, comme si l'on pourrait aller à l'ISAP. Bon, pose une question. Voilà. Là, oui. Ou pas, on va faire du voir, ou pas download, ou pas créer un compte sur l'autre exchange, ou pas Non, malheureusement, je suis dans le groupe là. Je fais créer un truc, donc c'est premier zoom avec nous, après que je suis rentré. Yo, faut regarder les vidéos. Faut regarder les vidéos. Mais ça me ka moto pa. Ya, par exemple, soit faire retrait. C'est ça ma moto là, on faire retrait. Après l'on t'a fait déposit là, il demande et pour mettre notre token IP adresse là. Mais retrait a on faire retrait. Dans déposit là, tu mettre notre token là et pour copier adresse envoyer ba moun. Par exemple, pas vont encore moins pas Bitcoin. Allez là, bon, je vais aller dans Fiat en dépôt. Mais logiquement, on a fait l'ensemble. Par exemple, on voit encore Boumon là. Là, oui. Déposite. Par exemple, on voit Bitcoin faire un cadeau. Donc, on a besoin d'adresse pour jeune pour avoir Bitcoin là, bon, ou là. Donc, il faut chercher l'adresse là pour. Donc, on fait déposite. Je vais là, je choisis l'idée déjà sur Coin. Et puis, mes Bitcoin là. Par exemple, je choisis le réseau Bitcoin. Je vais vous la libre adresse. Je copie l'adresse, je vais vous OK. Mais vous même, par exemple, OK. Ou sous Binance. Ou t'as vu quoi, moi, ou sous Binance. Je vais vous même faire, ou vous allez dans Wallet, ou allez dans l'adresse. Je vais vous copier l'adresse, je vais vous faire. Juste imaginez, vous avez l'adresse là, non? Yeah. Pas bien ça me fait non et moi quand je recevoir me fait déposit et puis me prend adresse là et puis choisir réseau. OK. Ou même monter sur account Binance ou on va le faire me garder un petit Bitcoin parce que bon partenaire mouillé. Et ben et où qui gagne le cap ban moi on va faire withdraw. OK.
Et puis, où te gen ta copie adresse là? Ou gen ta choisi BTC, et puis là, mette adresse. Ou copie adresse ou. Et puis, li tout ou mes réseaux automatiques. Okay. Et puis, zoom un minimum là, et pour faire processus là. Après ça, le bras le un code par email pour vous. Et puis, le bras le manteau, vous mettez 6 chiffres que Google Authentificateur a bon là pour confirmer que c'est vous-même qui a fait transaction exactement. Et puis, sans problème, à mon petit temps, je vais recevoir Bitcoin moins sans problème. Est-ce que là? C'est clair. OK. Vous avez mis qui te demandé s'il veut se faire retrait sous. Et pour le voyer sous compte en banque, il va faire le même processus. Par exemple, retrait, là, il va faire retrait fiat. Il va faire retrait crypto, non, il va faire retrait fiat. C'est terminé pour nous qu'il y ait retrait déposit pour faire dépôt ou bien après tirer. Par exemple, après tirer euro. Par exemple. Ça, il y a des accounts que marchent ensemble. Par exemple, il y a des côtés, par exemple, monsieur. Par exemple, si mon Brésil a fait retrait, donc il convertir pour bien. En RS, là, je Brésil là, la choisi mes transfert ou mes capital à compte, ça devient de l'account mon anguien. Exemple, si je choisis mes transfert, ou FRI, il y a 2.6 RS. Vous cliquez sous lui, sur tes amis à regarder. Et puis là, ça est l'autre information que vous voyez bah, comme si mon qui n'a pas eu à Capone qui s'a oublié. C'est une information personnelle qui est oublié, ou même qui va le mettre. Mais c'est ça pour qu'on ait l'offre faire retrait, hein, ou toujours choisir withdraw. Non pas choisi withdraw crypto, choisi withdraw fiat. Fiat là, c'est monnaie que gouvernemental yo. C'est différent de monnaie crypto. Ok? Donc, vous juste faire retrait, puis, et puis, côté où il y a, ou gain accès pour faire retrait facile, donc, la facile vient sur account ou après combien de jours? Bah, changer exactement. L'Ika prend environ, bah, les bons quantités de jours, mais environ une semaine que, comme la carrière sur account tout sans problème. OK. Joanny Moline, malheureusement mon Haïti, bon, nous va gagner accès à ça nous. Malheureusement. Moline, m'aide parler s'il vous plaît. Oui, là, il m'a salué où? Alors, question pas poser, hein, c'est une question où ça c'est après. En sont répondre là qu'on fait répondre qui était posé déjà mais moi-même on va utiliser Binance me songe dernière fois de bien cash out mais m'a vivre Canada qu'on y a là pour review et de Binance par exemple avec monnaie canadienne il pas fin trop simple que ça au contraire me dal fond ba et P2P par contre ce qu'on utilise P2P hein. Oui, yo kon fè lui. Ouais, on kon fè le mais me penser, me te fè le mais c'est pas façon qui vraiment plus safe qui pi intéressant à faire même ba parce que ou pas jwenn monnaie canadien. Nan ban monnaie ou le aller pour jo, ou pas jwenn monnaie canadien même jwenn. Oui, li pa la don. Li pa la don même jwenn jwenn Brésil là, li pa fòt li ou pas jwenn canadien comme ça, vous comprenez? Sou te gen nan USDT kounya même ou besoin voyer. Bon, on va dire pour le faire. Bon, mais l'autre façon qui t'a garanti que c'est intéressant, bon, on va beaucoup vraiment utiliser, mais vraiment, on est sous capable et on explication en plus sur ça, s'il vous plaît. C'est qui parti? L'autre façon? Oui, c'est qui par exemple, mais la façon de faire là, pour mon capable Canada, si toutefois, ou bien, bon, on a gagné droit de coin sur Binance, on dit que vous cash out, ça veut dire que vous vendez, il vient comme la vie dans USDT. On y a même comme ça sur compte bancaire ou en dollars canadiens. Bon, bah, Canada, m'a vraiment compris ce que
Ok, je vais parler, oui. Et c'est bon. Et si vous n'êtes pas capable de jouer avec l'argent, tu peux prendre un monde en Haïti qui va faire ça, tu peux au Canada, si vous pouvez faire ça. Ça, vous pouvez faire, tu peux prendre USDT ou soit BNB, quel que soit, tu peux en dessous de Bitcoin, quel que soit coin, tu peux gagner un truc, tu peux gagner un fonds pour la donner, tu peux transférer soit en USDT, ou soit transférer la BNB, quel que soit, ou soit en Ethereum. Et puis, sous des Canada, vous êtes capable d'utiliser crypto.com. So, ça va faire transférer l'argent à crypto.com. Et puis, de crypto.com, vous va vous directement sur banque. Moi, c'est crypto.com gagne accès et à l'argent canadien. Si crypto.com pas gagne, simplement, vous cherchez une plateforme qui a bon accès. Et moi, c'est Canada, Canada gagne tout. Moi, c'est Canada qui a bon accès. Bon, par contre, sous essayer, c'est en l'argent que yo, que par contre, si la bon problème, on dit par exemple, si ou gon, bon, c'est essayer pour m'essayer, si ou gen yon compte en dollars canadien, vous voyez dollars US la dani, est-ce que c'est rivé pas privé, ou soit est-ce que banque a converti pour ou quelque chose, bon, par contre, mais si tout faut d'agir problème ça, c'est crypto.com. Ou l'argent la crypto.com et puis de crypto.com ou transférer li c'est ce une bon par contre de Coinbase te Canada quand il y a par contre Coinbase la option pour withdraw sur compte bancaire d'accord et okay. Merci coach donc n'a pas avancé. Olem, donc toujours mettez terme ça dans l'esprit nous. Les n'a pas retiré, nous besoin gain adresse token là. Très important pour nous connaître adresse là et puis avec réseau là. Pas oublier même réseau qui code sur exchange ou pour retirer là, c'est même réseau ça pour sur exchange que toi déposer. Si vous dans réseau différent, vous gagne un peu chance pour perdre corps bois pas obligé dans écrit support. Donc toujours make sure que à réseau que n'a retiré en c'est réseau ça que côté n'a voyé là. Et on bien dit non et Binance c'est une exchange qui gagne pile partie là-dedans et chaque temps gagne un bagage qui ajouté et après il est ajouté NFT à là donc probablement c'est à l'avenir n'a vienne connaître parce que gagne coup pour ça qui va venir. Et gain coup pour parti comme si koto ka fait revenu passif dans là-dedans et Binance bay possibilité ça tout par exemple si on ga font idée ou aller dans Binance et pour après qui côté market staking on ka cliquer sur staking non ou aller dans earn et pour cliquer sur staking ça vous font ti passer parce que nous va prêter là-dedans gain spécial pour ça. C'est juste pour montrer que plusieurs facettes qui viennent dans Binance. Après, il y a l'autre staking et puis il y a DeFi staking. Il y a un coup qui vient pour ça. Par exemple, l'autre là, il y a un petit exemple de token. Ce n'est pas tout token qui vient dans l'autre staking. Non? Après, il y a plusieurs tokens qui là et puis il y a un petit jour qui est l'autre là. 60 jours, il y a un petit jour qui est l'autre là. Et pour stake. Donc, si vous avez un token, ça vous cap stake. DeFi staking, non. Allez dans DeFi staking. Pas oublier, nous allons dans Binance Earn. Et puis, nous allons dans staking. Mais nous allons Earn, non. Là. Et puis, nous allons dans staking. Et puis, l'enrivé là, il dit non. Mais côté, nous cap stake. Puis, devant, nous prenons qui ça stake, non. Et qui j'en nous cap utilise. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Cette semaine, ça a commencé à côté, nous cap. Comment nous avons fait passer une commande avec crypto nous, par exemple, nous chita, sans nous pas faire, nous juste mettre crypto nous en côté et puis abonner tirer sur chaque jour. Ok, dernière partie nous avons nous la partie Binance, c'est partie futures là, qui j'en ai fonctionné. Et bon, c'est grand pile monde qui l'a compatible parce que tout le monde qui l'a, il y a plein de parties qui trading en pile. Et d'a parlé avec quelques petits dans dernier mois, dit lui même c'est partie ça à prendre. Pour commencer trade et Binance est une plateforme qui a possibilité qu'on soit capable trade futures
et comment on va faire par exemple on regarde dans l'air aller dans partie market dérivative hein? Et puis nous choisir USD M futures. Pas gain introduction sur ça mais je juste veux faire petit passer ensemble avoir sur lui pour au moins connaître. Par exemple, entre là devant mon dos pour créer un account même étant donné moi t'ai gain créer un account sur lui déjà donc c'est pas problème, il y a mon dos créer un account et puis il y a posé des questions pour sous bien comprendre qui partie qui sort pas le fouet pour notre trading qui vraiment risqué. Donc c'est comme ça interface apparaît sur laptop moi. Par exemple là c'est là cliquer pour chercher interface font par exemple là cliquer dans partie BTC super super BTC là ou cliquer là-dedans pour choisir token ou l'étude là et nous va besoin inquiéter nous tout là va venir là exemple vous voulez trade matic on tape matic et puis matic USDT et USD USDT on clique sur matic perpetuel USDT et puis il bam interface là c'est là pour mettre information qui gagne rapport avec futures par exemple signal bot là et bot là bon signal il dit pour entrer tel côté les bons points d'entrée par exemple les bons limit order pour mettre ou bien les entrer dans market order jusqu'à sous market et pour vous mettre quantité comme vous voulez mettre pour matic là avant ça vous cliquez choisir isolation ou bien choisir post post là un cost ça veut dire que ça c'est le que ou ou non position non trade et si comme soit petit il a prendre encore bien soit account futures ou différent de la tête là par exemple si me mettez $10 non trade si m'a perdu et $10 seulement m'a perdu donc il a prendre tout $10 là si me perdu net appliquer comme ça par comme ça si me prend si me dégage $100 soit account moi et puis me dé prendre position à $10 depuis me commencer perdu il a prendre non cob là par exemple $100 il a prendre là-dedans mais ça lui même là pas prendre là-dedans il a juste fermer position me là-dedans et puis on mettre me dehors ça c'est levier levier a veut dire qui ça c'est quand tu dis cob mettre multiplier par x si mettre $100 non position et puis me prendre levier 10 ça veut dire m'entrer dans position à 100 par 10 juste imaginer x là c'est quantité comme vous mettez à multiplier par quantité comme vous mettez à si mettez 5 si me prend 5x si mettez $100 et comme si me rentre à $500 il y a avantage mais inconvénient dans toute bagaille de ça il est vraiment risqué il grand pile comme là dans ou ca média pile comme si nous mettez si nous bien prend sans nous nous suivre cours que coach va ban nous yo et puis nous écrit exemple fond prend note nous bien prend note et puis nous faire pratique et garantit nous que n'a fait cob chaque jour et puis nous suivre ça coach va dit nous et Jean coach toujours fait là yo va venir vendre nous rêve par exemple yo va venir dire nous que non là dans la nous pas millionnaire rapide du tout pas mais il y a plein de gens pour ban nous formation qui est appropriée et pour nous capabilité pour nous en position pour qu'on nous dans market là nous analyser chat là ça va regarder là ça chat là nous analyser là et que je t'encourager télécharger une application que le TradingView donc puis faut analyser qu'on va le faire pour qu'on nous et ça coach va le faire ensemble avec nous c'est sur TradingView va le faire avec nous et puis nous mêmes nous va prendre position pour qu'on nous. OK donc ça futures là nous pas besoin de trop fatiguer nous déjà besoin de faire entrer dans futures là et non Binance parce que voilà gain coup ça habiller on juste aller dans dérivative choisir USD M futures et pour entrer là-dedans pour créer un compte ou répondre discussion et puis ou venir éligible
pou depose kob sou features ou. Sou bezwen depose kob sou features ou, ki sa ka fè? Ou fin fè tout sa, toujou la yo, ou ale nan Fiat and Sport, ou ale nan wallet ou fè Fiat and Sport. Pou kesyon, ou talen nan pou kesyon, parce nou va vle tou rete nan kwa, parce nou va vle ki an pil travay pou l fè, pou la edite, pou l pou kapab mette l disponib pou nou ka gade l nepot lè nou. OK, parce que river. Quand tu vas chanter pour nous s'il vous plaît mon Dieu. Vous pouvez transférer l'argent ou gain sur account ou sur account Binance vous voyez sur futures qui sont faits, allez dans transfert. Ouais, transfert là en l'air, mes amis. Et pour faire ça, par exemple, pour faire Fiat and Sport tout et pour choisir USD futures et pour transférer cob et pour choisir qui coin on va voyer sous lui par exemple si m'envoie USDT m'tape USDT et puis il me dit max et puis il me fait confirmer et puis cob va aller directement sur account futures on connait m'a abgé cob pour me capturer pour me proposition sans problème. Avant nous pour question, je vais me donner un petit peu très important. Nous avons un monde qui nous a dit qu'il nous vaut, crypto a libéré toujours, nous prenons notre bonheur dans crypto jusqu'à présent. Conseillement à chaque grand monde qui est là. Il y a des gens qui viennent pour trading exactement, il y a des gens qui viennent pour crypto, pour café comme dans crypto, pour comme dans crypto. Même maintenant, il y a des choses qui sont très faciles. Mais qui veut dire un peu de bagaille? Réserver temps pour nous bien apprendre. Créons temps pour nous faire pratique. Parce que imaginez nous si c'est dans l'université normale, comme si nous allions, nous avons fait 4 ou 5 ans, donc nous avons dormi, et là, nous avons pour nous préparer l'examen, nous avons étudié un peu, nous avons levé le bonheur pour nous faire sacrifice, pour nous faire révision. Et bien, faire même genre pour crypto ensemble avec trading. Parce que si on va apprendre qui va aller tirer ou toute vie. Donc, nous prions en grâce, faire sacrifice là, garder vidéo. Là, on a regardé vidéo après, on note, on cahier, plume, écrit. Écrit, schéma, on conseille à venir et facile dans la tête. Nous. Par exemple, imaginez là, quelqu'un qui a l'air, ou fin garder la pression page de maîtriser. Et puis, boom, caps la ge moun ki nan boul pou trading ni ap konn sa pa di caps la ge yon token et pou vin nan tèt chou pou konnen pou sonje pou vous retirer cob sou Binance sou pou voye sou te soir Ethereum sou te soir let pou l'acheter et puis boom token nan bay cob nan val nan remo pou ki sa parce que ou pa fè un sacrifice ou te fè pratique pou ko petit temps. Regardez pas seulement vidéo et classe à soi, regardez tout classe que nous faisons, écrit note. Ça nous, point important, écrit. Parce que ça est l'argent qui a parlé là. Même gens qui ont fait l'argent, pour l'argent, qui a perdu un peu l'argent. Nous mettons discipline dans la vie, nous depuis qu'on y a, parce que l'ennemi vient dans la partie trading, n'est pas très important. Nous avons une discipline dans la caille. Donc, bah, nous pas prêts ici, non dans le domaine trading. Mais on prend pile temps. On vient cap maton Jean Couture t'a remis que nous maton donc monsieur que chaque grand monde qui là li prend sang crée un temps il met ses 30 minutes chaque soir là il travaille le matin qu'a créé à soir qu'a créé 30 minutes chaque matin dans la journée pour faire préparation garder quelques bagages fait comme si on dans l'école normal genre qu'on habite dans aller nous comme fait ça parce que tu dis non li grand pile cob là dedans.
et donc tout gain cop pour tout le monde. Jean coach qui toujours dit la gain cop tout le monde notre trading. Pas penser peut-être va pas prendre trade ou pas veut partager connaissance ou gain à l'autre monde pour seul ou même qui avance. Et pas chaque monde ou ka fait cop, on ka fait cop ou pas fait cop, qui a fait cop, tout le monde ka fait cop ensemble. Comprendre? Après ta livre va se charger cop pour tout le monde. Nous même qui avons une idée avancée, nous, mes amis, nous, on peut parler de trading. Parce que trading est très rentable. Le que vous venez maîtriser, bien maîtriser, est très rentable. Donc, je souhaite que nous prenions attention à samedi, nous, parce que imaginez, vous venez habile dans le chat, vous pouvez faire analyse, pourquoi vous prenez position, pourquoi. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez écrire, vous n'avez pas de problème pour aider. Exemple, yon nan e kalite ke coach nou gen, yo pa pou ede nenpòt moun. Menm fè experience avè yo, mwen nan lòt group trading deja, e mwen ki jan monsieur sa ou fonksyone, se de bagay diferan. Se pa kòm si monsieur a bon pati, e pi a pien bi reslan, de di tou pa. Pase yo toujou tout sa, market la gen kòp pou tout moun ka fè kòp la dan, se pa oblije a tire. Donc, fè menm jan pou zanmi nou proche nou parler de trading et nous même faire sacrifice pour nous capable bien habile dans trade. OK. Donc, on va commencer par une question. On a dit qu'est-ce qui lever mais oh. Madame Sandra Guerrier. Oui, bonsoir Mano. Bonsoir. Comment est très bien. Et moi, je vous remercie parce que m'apprécie pas sans que tu aies fait le toujours. Mais question, moi, à toi, moi, t'as aimé qu'on aime, moi, en gros, c'est Yuzio, c'est Kendoyo, t'as aimé qu'on aime, et pour tuer de la même, faut qu'on ait shot là. T'as aimé qu'on aime, pendant que un pile monde qu'on y a, qui vient cobio, cap descend la crypto, la token, la tout, est-ce que si nous t'es appelé non, par contre comme t'es perdu en semaine parce que t'es malade, par contre si nous get un membre qui est Kendo, DM, Shopio, pour nous t'es connu, ça pour nous faire d'aimer et qu'on passe toute clé succès à ces conchats là, qu'on est le bas la montée, qu'on est le la descente, d'aimer si nous t'as fait un temps ou si nous pas passer sur les constats, si nous t'as étudié Kendo et tout ou bien l'IO, j'ai eu pour nous t'as connaître le crypto après monter ou bien le pral descendre qui s'amuse pour nous sauver quelques cobs qui a perdu sur marché et puis au moins nous dit ça nous craignons pour le moment en attendant nous la classe là la suivre pendant 4 mois. Ok. Et oui, donc, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas faire partie de ça, partie ouvrière, on va parler de l'analyse de l'analyse de Chatlan. Donc, si on classe qui vient puis devant, mais en attendant qu'on est sorti dans la base là pour nous monter côté ouvrière, arriver ensemble avec nous. Par exemple, il y a un peu de monde qui est très avancé là. Donc, on va faire comme si nous rentrons directement dans l'analyse de Chatlan. Donc, il y a un peu de monde qui n'a pas vraiment compris rien. Ça fait nous sortir dans la base là avec tout le monde. Et puis, pour nous capables de vivre dans l'analyse chat là. Mais, on sait le bagage, je dis, et je vais oublier de ça tout à l'heure. Donc, si on est là ou dans le big trading, nous encourageons pour toujours actif sur le groupe là. Exemple, comme ça, font gros bout de ton travail. Les libres token, non seulement les libres, ils ont toujours gardé le chat pour le cas de nous, les cas de nous pour nous scalper, puis ils vont apprendre qui ça a été, ça a été dit. Et par exemple, scalper, c'est comme si acheter, vendre rapide, vous prenez pour faire profit ou vendre rapide. Donc, comme ça, font beau travail, ils toujours regarder le market cap token pour nous. Donc, mais pour partir analyser le chat là, pour qu'on si on classe cap vini, et monsieur Yogan est en météorite là déjà, et je pense que c'est dans le mois de février, je crois que, et pour nous venir avec analyse chat là. Nous mettons un petit patience, pour que tu mettes tout ça dans le programme là, sans pour qu'il vraiment complet. Et donc, juste
toujours faire pratique et puis n'a privé dans partie côté ou même ouvrir là. Comprendre? Thank you. You're welcome. Monsieur Leslie Jeunesse. Avant de prendre Leslie, bon, parce que on dit ça bien que n'a venu avec classe A, venu et on a fait tout mois mars, tout mois avril là, on va apprendre pour apprendre chart. Mais avant pour apprendre chart, avant pour apprendre, faut qu'on connaît et information de base. Faut qu'on comment pour transférer l'argent sur ton côté en haut. Faut qu'on connaît qui ça qui crypto. Faut qu'on connaît comment pour acheter tel crypto. Ou quand on chat là, comment on dit mon chat, mon trading, mon carago by forex même là. Mais que m'ka figure là, mais immédiatement gain là même. M'pa connait comment pour tu dans en devise forex tout autant que moi pas à essayer apprendre avant. OK? Ça que nous fait un petit coup de base ça pour nous connaître qui ça va faire après ça. Chat là son bail qui très avancé lié. Ça que devoir faire 2 mois, devoir faire 2 mois ou apprendre chat. OK? Vous comprenez, oui, merci. Parce que tout bail ça nouveau pour moi me comprendre. Merci, oui. Allez vous. OK, et merci. Monsieur le jeunesse. Mettre une mute tête, oui, monsieur Leslie. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Forme à Québec. Oui, oui, oui. En moi, États-Unis, moi, j'ai un Binance, oui, j'ai un account à Binance, mais je ne sais pas comment utiliser lui. On va l'utiliser prochainement. C'est parce que, est-ce que moi, si je trade sur Binance, est-ce que moi, quand j'ai un VPN, non? Est-ce que si ma fait du banane, est-ce que mon cas link en bank account moi à banane ça pour me faire retrait vous dans banque là et quand ça nécessaire. Bon moi prendre question ça tout de suite. Ou pas capable trade futures sous si c'est ou tu vas parler de trade futures, vous capable trade sur Binance US. Ou capable faire spot trade sur Binance US. Oui, sous gagner Kobo sous Binance US ça va transférer dans banque. OK. Donc, même si moi j'ai un VPN, n'est pas capable de faire ça. Non, mais j'ai un VPN, n'est pas capable. Wow. OK. Donc, bank account moi aussi me lien avec Binance là. Est-ce que ça OK ou pas OK? Il est OK parce que moi j'ai bank account dans les carrières avec. OK, merci un peu. Il y a un transfert l'argent 2 avec à Binance. Merci un peu monsieur. OK, pas de problème. Ouais. Monsieur Alain Gauthier. Oui, bonsoir. Bonsoir. Combat quand même t'appartient peut-être que bon le mte ou être là ça sous Binance moi pas couvrir les celui même qui anti intéressé. C'est concernant différents monnaies Binance gagnent parce que connaît bon gain BNB qui capable de leur besoin transfert sur Trust sous besoin acheter bagaille qui sous PancakeSwap bon moi le gain USD tout. Moi-même, pas comprendre qui différence qui est BUSD avec USDT. Pour qui ça, moi-même, pour m'acheter. Si m'a, et, par exemple, acheter coin ou trade sur Binance, qui différence pour qui ça, pour m'acheter BUSD ou le mien USDT, m'a pas fini comprendre pour qui ça, comme. Okay. Okay. Je m'a pas comprendre différence entre BUSD et USDT, et puis différence entre BNB avec BSC Smart Chain. BUSD a plus intéressé moi toujours, m'pa konnen sou ka ban notification sou ça s'il vous plaît. BUSD m'pense que te gon klas yo te fè ou te pale de différence token avec coin et puis ou te pale de stable coin. Donc BUSD ban m'a cherché le pou pour tout moun ka wè sa dian. BUSD m'ka di se yon stable coin ken. Anyway, c'est un stable coin que lié ni même genre avec USDT, USDC, Dash et token ça yo pas monter ou pas descendre. C'est ça relé stable coin là. Donc soit qu'a faire avec ou même soit qu'a faire avec USDT, c'est lui même qu'a faire avec BUS. Par exemple, ou qu'a vendre token nou en BUSD et ou ka acheter avec BUSD tout sous Binance sans problème parce que son stable coin que lui.
par exemple si ou t'acheter par exemple l'aime t'acheter matic paléa après ça me te vle m te ka choisi m'a trade matic moyen par exemple la bon mouton bagay matic matic par exemple m vle acheter en imagine m te gen US sou account non m te vle acheter matic mali nan trade. Là, je vais là, mais vous allez, ou cache thématique, cache n'importe token, nous gagnons sous Binance avec USD, ou tout bon liste, à qui soit cache. Mais méthode de même, moi, je gagne USD sous account, moi, je vais acheter avec USD. Mais si USD, je gagne sous Binance, moi, je vais acheter avec USD, son stablecoin qui est lié. Par exemple, je vais acheter, moi, je vais acheter 50 dollars Matic, et puis Matic vient monter. Vin monter comme m'ta acheté nan matic comme 250 dollars nan matic comme la vin monter 100 dollars et puis mesure pour profit les m'a vendre mal vendre j'aime te monter comment pour vendre acheter USD parce que ça est stable coin que lié par exemple si m'te gen comme là et puis moi market là pour le descendre et si nous toujours actif sur groupe là après dit mon nan dit il y a stable coin. Le moun an stable coin, nan savè di tout pòbli yo, li transfer, li vann tout token yo, li mette yon stable coin. Se, gen kote, gen pati li bon, pou mette kòbou an stable coin, le market la desan, men gen pati li pa wè. Ekzèp, si market la, se, yon koreksyon l ta fè, avè sa pou l kouri remonte yon kòd, e pou mèm, ou son moun ki pa aktif, sa vin fè ke ou pa gen te pran, ou vann wò, e pi ou pa lachna l'achete, pi ou an kòd, de kwa fè pèt. Dok, BUSD, c'est un stablecoin que vous achetez avec sur Binance sans problème. Mais ça fait un bateau était sous question coin yo parce que vous avez parlé de yo. Vous avez fait un exercice sur coin token et stablecoin. C'est ça fait moins pas arrêter sur ça. Non, moi comprends. Nous, que BUSD a un stablecoin, vous avez fait bailler ça. Ok, vous avez parlé de BUSD. Ça me dépose qu'on est rapidement, c'est est-ce que vous avez un avantage? Ça c'est concernant site Binance seulement parce que c'est sous l'open BUSD seulement. Depuis qu'on est, est-ce que qu'on leur un avantage au lieu pour m'acheter USD pour me prendre BUSD plutôt, est-ce que qu'on avantage ou bien pas gain avantage? Même bagaille. Stablecoin yo même bagaille. Ah ben OK. Seul avantage qu'a gagné c'est si qu'on a le besoin vous transférer l'argent ça à l'autre côté. C'est pas tout côté qui gagne BUSD, ça veut dire et sous vend un token nous gagne son coin pour BUSD qu'on a besoin ou besoin transférer sur Coinbase par exemple Coinbase pas gagne BUSD c'est pas obligé de transférer qu'on a à reconvertir BUSD ça tout là avec USDT pour transférer USDT ou bien d'abord ajouter le cavoué sous Chos Wallet et tout sans problème. Yeah, exactement cavoué sous Chos Wallet sans problème. OK. Donc, BNB, je suppose, il m'a dit juste sur l'avantage sur Chos Wallet tout. Yes, so BNB, il y a BNB qui a besoin de Chos Wallet. So BNB, différence qui est entre BNB avec BSC, c'est que nous t'ai dit ça déjà. BSC a utilisé comme un point d'achat sur quelques plateformes sur DeFi Exchange. Du coup, sur vous BNB, so BNB c'est Binance Coin, BSC c'est Binance Smart Chain. So nous avons les Smart Chain. So, ça veut dire c'est devise ou utiliser l'on a acheté spécialement sur Chos Wallet, ou soit sur MetaMask, ou soit sur et crypto DeFi Wallet. OK? So, ça veut dire ou utiliser BSCA pour acheter. Ça veut dire souvent et BNB à sur Chos Wallet, ou pas obligé de convertir BNB à BSC pour qu'on acheter. OK, parce que c'est pas tout le côté qu'on a acheté avec BNB, obligé de convertir en BSC pour faire l'achat. Oui, me songe ça a été expliqué clairement l'autre affaire pour ce Chos Wallet là. Mais que justement, excusez-moi là, moi comprends très bien que c'est BSC m'a besoin sur Chos Wallet pour me faire achat. Mais qui utilise BNB à ce moment versus BSC? Me comprends si c'est BSC hein, mais qui utilise BNB à ce moment lui-même? BNB c'est lui même que toute l'autre plateforme qui gagne et Binance Coin, BNB c'est coin principal et Binance, OK?
BNB a ses coins principales Binance. On peut par exemple, et le revenu fait BSCA, il revenu fait BSCA, c'est un coup même genre Ethereum a venu avec Ethereum 2.0. Le Ethereum vient avec Ethereum 2.0, c'est au point de voir que tout l'argent gagné, ok, il va obligé de transférer dans Ethereum 2.0 pour faire transaction parce que le revenu fait que transaction revient plus bas. So, BSCA, ou utiliser pour acheter, pour faire transaction, pour baisser prix transaction. Actuellement, on a toujours utilisé Ethereum pour faire transaction qui est transaction européen plus comme. Mais quand il y a la gagné Ethereum 2.0, l'on acheter Ethereum, non, on est obligé de transférer en Ethereum 2.0 pour faire transaction. Selon BNB, c'est tout quelqu'un une principale Binance. BSCA, c'est ça ou utiliser pour faire transaction sur une plateforme décentralisée. Par contre, c'est clair. Oui, monsieur, merci beaucoup. Pas de problème. Ok, on va avancer. Monsieur Élisée Vaillant. Pour mieux tête. Oui. So, en tout cas, je suis vraiment aimé que ça aujourd'hui, parce que tu suis. Nous, je ne sais pas si c'était en classe, mais lundi dernier, vous avez fait un bel petit zoom. Vous avez eu plusieurs réactions, mesdames aussi, tout. Et que l'étape fait mise à niveau pour t'inviter moi à entrer dans l'université et tu bon accès aujourd'hui. Mais moi, vraiment, après, merci à Piluki pour ça. Et moi, vraiment, je n'ai pas raté trois gros bagages dans Binance. Par contre, moi, senti, moi, raté, si j'en ai dit, dans Talé Amano, j'ai besoin de garder et faire des voix avant. Yo. De besoin qu'on ait, est-ce que la journée, c'était une sorte de résumé ou bien est-ce que c'est une classe à part entière parce que je n'ai pas senti nous trop loin. J'aurais qui te dit, nous presque fini avec l'aspect Queen. Amen. Pour démonter crypto à net, qui s'est crypto, nous avons une définition ça. Il semble que c'est Exchange Show que nous avons présenté. Donc, je sens que je connais, est-ce que je raté en pile bagaille ou bien est-ce que ça, c'était juste un résumé, je besoin regarder toute classe avant yo, et puis comment nous y là. Bon, sous déjà gagné base, ok, on dit les classes que nous faisons, nous faisons environ 5 ou 6 classes. Sous garde côté qui marque cours anglais et cours créole, ou classe créole, ou Caroline, toute classe que nous faisons classe sur Mimi Token, comment vous faites recherche Mimi Token, nous faisons classe sur plateforme. Yo. You know, comment pour utiliser différentes plateformes, tant que Binance, tant que Heartbeat, tant que Nexo. Nous parlons de Nexo, comment utiliser Nexo pour faire revenu passif. Et nous parlons de Heartbeat, nous parlons de crypto.com, et puis, etc. etc. So, si vous avez déjà une connaissance de base, yo, bon, je ne vais pas regarder, yo, mais vous pouvez regarder sur Discord, soit le Discord de Bullpick University, hein, ou regarder côté qui marque et Koukri Olio, ou après toute classe. Que nous faisons ou même au capable de juger si vous voulez garder avec ce bas. Ok. Parce que normalement, pour que j'en te parle, le diable pense que dès que tu as raté un pile bagaille qui t'a mis dans la difficulté pour me rattraper, mais j'en moi, non, sous bas, je ne sens pas sentir la si difficile. Mais ça va le voir de vous-même parce que y a des gens qui n'ont pas fait ça. Va, ou même quand tu as une connaissance, mais il y a des gens qui n'ont pas gagné eux-mêmes. Vous comprenez? Ok. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Oui, oh, ok. Mm-hmm. Monsieur Élisée, même d'après vous, souvenez ton cadre de parce que Gébaï, on a découvert qui est nouveau quand même. Parce que si tout, monsieur de fond classe qui est vraiment intéressé dans la partie même token, comment pour identifier les tokens de vieux, comme si développeur ou renoncé à token, il est lock. D'après vous, on a regardé les vidéos quand même. Parce qu'on va de nouveau, on va pas prendre quand même là-dedans. Ok, on va avancer. Joanny, Moline. Allô? Oui, alors, on petite question tout simple que nous gagnons. L'autre fait, on parle tout petit de l'autre futures. Mm-hmm. Alors même curiosité par moi me demander est-ce que l'option futures hein et là on arrive là prend position comme si on arrive pour liquider dans position est-ce que c'est par rapport on dit que
Ou des propositions, par exemple, sur Ethereum, ou long, Ethereum, et puis depuis l'offre de l'anglais, et puis les mêmes liens, c'est descendre, l'abdescendre. Est-ce que c'est par rapport au niveau la privée, pendant l'abdescendre, là, il n'y a pas de liquide, là, il y a un bon, là, il y a d'options, ça veut dire que c'est date d'expiration, bah, quoi, ou bien, maintenant, est-ce que y a un bail date d'expiration, tout, là, pour le liquide, dans le futur, ça, ou du moins, c'est par rapport avec ce niveau, c'est là, le liquide, là, c'est comme si, et pour, comme c'est comme sur des propositions pour monter yeah. Et puis pour mieux mm-hmm. Descendre. Moi, je suis déjà. Ok, bon, monsieur, répondre. En fait, et, par exemple, j'aime te dire, après leur proposition, on prend la quantité de levier, hein, et que multiplier le bois par quantité de levier. Abdiquer son cob que, par exemple, moi, on prend position à 10 dollars, et bon, 50 dollars. Et puis, je me dis, ma partie à levier 10. Donc, 50 mm-hmm. Pas 500 dollars. Comme si position là, on rentre à 500 dollars. Mais en général, comme si Binance prête au 450 dollars pour rentrer dans la position. Mais pas oublier lui-même, il va gagner pour le perdre. Pour de pour perdre, et 50 dollars. De pour arriver dans le niveau. Il y a combien menacé la liquido. C'est là le liquido. Là, et puis il prend combien. Parce qu'il va le perdre pour lui-même. C'est prêt à le prêter encore. Vous comprenez? Donc, ah, non, okay. On veut une date d'expiration, mais habillé là, nous prenons le perpétuel, donc pas vraiment une date d'expiration dans la trade. Non, 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 futures. Vous comprenez? Donc, c'est peut-être ah, ton cob, vous prenez position, hein? Mais immédiatement, cob lui en menace, il prend cob lui en liquide, il va pas le faire peut-être pour lui-même. Ah, ben, c'est presque même dans l'air où il y a un magging en 40, ben, c'est lui, on dit que c'est presque comme ça tout. Avec l'argent magging on côté arrivé si ouais on va début et boké ouais comme si comme pas là le prêt là menacer le calikito n'importe quelle position qui est OK basé toujours moi basé mon relation avec ça entre eux en compte magging bon gèle ça tout sous Binance c'est censé en compte magging les tout les et ça aussi faire là. Okay. C'est presque le même bagage là et ne pas tellement retenir dans futures parce que nous pouvons là. Il y a des gens qui disent que c'est compte margin là avec compte et le options futures. C'est presque le même bagage là et une petite différence. D'accord. D'accord. Ouais, ok. Mr. Hilary. Oui, bonsoir. Question par me lancer comment on monte à participer dans le Launchpad. Launchpad sur Binance. Launchpad, bon, oui. Même beaucoup j'aime participer dans Launchpad dans Binance, mais l'idée me connaît dans et là dans c'est que gon comment me dit ça. Lui est tellement et gon yo dit je bon c'est vraiment faut gagner BNB. Ça qui arrive dans Launchpad là ou participer que yo pas bon et comme si ou participe et comme si on sort de loterie que lié comme ça moi mais beaucoup j'aime participer dans Launchpad yo toujours ba annonce que pour gagner Launchpad et non les par exemple yo souvent fait ça avec le bio par exemple FC Porto et sous la Zio ça quand vous participer dans Launchpad là et me dit ça. Yo pas bon, ou pas arrivé gagner token qui ou té misé pour lui, vous comprenez? Même pas vraiment, m'pa gon idée très avancé sur Launchpad là. Bon, même pas c'est pour Launchpad, oui? C'est presque même j'ai avec toute l'autre et plateforme là fait Launchpad et c'est bien fait Launchpad y a do mais qui ça yo require mais qui ça y a do mais qui va ici pour gagner mais qui quantité de cob pour gagner mais qui you know forget le BNB forget la quantité de BNB c'est comme ça. Le bon beaucoup participé dans une ne pas dire nos seuls Launchpad ne fait une guerre après sur plateforme à la chaîne mais c'est presque même bagarre absolument d'où mais qui sont besoin d'abord tout et ça a besoin pour faire depuis toutes conditions réunies ou bon comme ça toutes conditions qui réunies va assez tôt à cause de une bonne quantité de monde qui ont été appelés. Yeah. OK, Saint-Ville-Patrice, monsieur Saint-Ville-Patrice. Bon, nous parlons après ça. Après Jean, après Saint-Ville-Patrice, Alain Gauthier Jean, nous t'a dit
et nous avons de camper parce que nous avons okay. Internet à tout le monde. Ok, nous avons le long pour le monde qui a gardé ça. Vous mettez une minute et tout. Oui, c'est non, je ne sais pas, c'est ça, non? Question, moi, c'est trading qui intéresse. Et si je remarque dans le calendrier, on a commencé avec trading le 28, ou en anglais ou créole, le 28, peu importe. C'est ça? Oui, c'est le seul à moi dans le calendrier. Vous 28, nous pas commencer avec trade, nous commencer n'abord ces informations de nous parlons d'où qui ça qui futures là. On dit l'on parle de futures, nous parlons de crypto futures, ça pas nécessairement trading. Trading c'est on est qui j'ai pour entrer dans position, on est qui m'a pour sortir et puis pour qu'à déterminer point d'entrée et point de sortie par rapport à chart là. C'est ça qui trading. Pour apprendre le chat, apprendre le candlestick, apprendre le bougie, etc. etc. So, le 28, la fréquence, dans le dernier jour, on a parlé de crypto futures. Et la moto qu'on va pour entrer dans la position qu'on va pour sortir. Et la boîte tout terme pour compte qui terme nous utiliser les trade. Ok, on va prendre le terme. Mais, bon, j'en trading, non, que nous parler de, you know, nous allons parler de chatio, de candles, de bougio, de indicateur. La ça a commencé dans mois mars. Oh, dans mois mars. Mm-hmm. Oh, c'est que les quoi? C'est que les ça finit? Ça finit en mois fin mois d'avril. Oh, fin mois d'avril. En fait, deux mois après, voilà pour apprendre et moi février, il va réserver pour option. Oh, ma février, c'est option. Mon février, mass trading et crypto. Qui différence y a entre option et trading crypto? Option, c'est deux markets différents. Il y a une stock market et crypto market. Mais nous utilisons le même indicateur pour trading crypto. Même indicateur. Ou utilisez le même indicateur pour n'importe qui marche ou trade. Ok. Ça veut dire si c'est crypto intéressé, si vous voulez, commencer à suivre ça en attendant les mêmes notes là, ma m'appuyer et avancer. Ok, c'est exact. Bon. Okay. Exact. Ok, merci beaucoup. Yeah, pas oublier son coût complet que lui. Ok, ok. C'est avantage oui, pour ça au gain. Ok, ok. Non, oui, il y a j'aime... deux markets. Ok, c'est bien. Et j'aime tout là, ça intéresse. Deux markets, trois, quatre, crypto. Mais prends patience. Okay. Non, ça, non, ma map suivre ça tout, on va rouler. Il est pas venu tout. Ok, merci. Parce que, pas oublier, nous avons deux maquettes, nous parlons de trade. Donc, nous avons besoin de prendre patience. Il y a une mise à niveau pour tout le monde. Et puis, pour tout le monde qui arrive d'emblée, non. Soit crypto market là qui est en métier ou bien crypto market là qui est en métier. Ok, on va avancer. On va prendre avant-dernier mon qui c'est monsieur Alain Gauthier. Ah, excusez-moi, je vais descendre même parce que monsieur a sauté pour une question là. Je vais vous dire parce que je n'ai pas d'option dans le calendrier, mais il y a dit qu'il y a une option en février, donc c'est ça qui t'inquiète. Oui, pas oublier, toujours garder l'horaire, pas oublier de mise à jour qu'a fait sur l'horaire, tu comprends? L'horaire qui faut lancer le mois de janvier. Le mois de février, il y a commencé à mettre quelques jours, côté qu'il y a un coup, mais il y a beaucoup de fil rentré. Donc, m'encourage nous pour toujours garder le calendrier parce que si nous venons en cours, il faut nous garder. Nous disons ça pour tout le monde parce que ça, parfois, les gens ont demandé, c'est une classe. Ça, anti-j'ai pas dérangé dans le sens que, donc, son coup qui est très important et puis même au réel, nous n'avons pas vraiment soit qu'un bien ou bien. Et toujours garder au réel parce que si nous avons un coup, par exemple, on a un coup, on interagit dans le coup, aller, on a un bel feeling, vous comprenez? Il y a des gens qui pyramèlent. Donc, nous encourageons tout le monde qui est là pour toujours garder l'horaire. Donc, chaque matin, levé, garder l'horaire. Regardez pour essayer de bien classe. Par exemple, si on va parler anglais ou classe, garder pour essayer de classe anglais, garder pour bien classe créole. Toujours faire ça. OK, mes amis. OK. Monsieur Jean. Vous mieux tête tout. Est-ce que Jean P? Jean P?
Ok, merci. Comment nous y est, monsieur Pamio? Bon, bien. Merci beaucoup. Oui, même Binance US. Now, je connais qui me back up à trade. Question, comme nous t'es parlé que vous êtes capable de liquider non n'importe moment depuis comme la pré pour le fini. Moi, t'as besoin de connaître. Est-ce que vous avez le comme la copame fini, vous faites ou bien pendant que copame n'a pas fini, vous faites reste comme qui était qui reste copame qui ça vous fait avec qui a mis le bac sur account plan ou bien vous prenez. Depuis on liquide ou donc c'est comme tes positions au milieu de la position de couper du pour mais pour pas besoin de toi fatigué ou pour partir ça pas oublier que pas mon casque réservé pour ça spécialement donc pour pas pour pas plus explication tu vois mon tout qui soit café sous pas table liquide ou qui soit café qui sera toujours pas utilisé tout ça ça a venu okay, et nous juste font y passer sous ça pour montrer nous qui bon pour nous aller pour nous créer account features nous tout ça OK donc okay. Va bien toi fatigué OK merci. T'es content ensemble avec tout le monde là. On va m'aller, m'd'après-midi montrer nous pour compte Binance nous. Pas oublier, make sure que nous vérifier compte Binance nous, sinon nous pas pas tuer. Nous pas pas faire rien sous lui. L'autre bagarre encore, ouais ça il m'a qui vérifier donc faut vérifier adresse nous parce que KYC hein, vérifier adresse nous. Et l'autre bagarre encore dans sécurité hein. Aller dans sécurité. Parce que nous allons finir. Là, il est à passer. Parce que ça fait partie ce qui t'a fait ses portes. Il faut nous sécuriser l'account. Il faut nous mettre authentificateur là. Il faut nous identifier, vérification de papiers, passeport nous ou bien licence nous. Et puis pour nous mettre code là. Code là, démontrer nous pour que ça soit très important. Là, nous créer code là, nous mettre code là. Pour nous authentifier les Binance vont email ban. Pour nous montrer nos bagages, les montrer sur email, moi, mes codes, moi, mes écrits. Moi besoin l'argent donc tout email Binance voyez pour moi depuis li pa gen moi besoin l'argent connaissez pas Binance qui vole donc pas cliquer sur aucun lien qui pa gen rapport avec ça donc après que toujours met ton code même j'en fais là donc fais ça tout puis l'autre dernier bagage n'a montrer pour me terminer ces questions référal code là exemple pas bon monde est-ce que sous lui voilà là dans account et pour aller dans référal. Bon, on type un pourcentage qui est minime mais à l'avenir si mon a toujours à faire transaction, il va venir en tableau mais qui pas gros. Même j'ai toute l'autre plateforme surtout dans crypto qui bon côté pour bailler référal. Donc on quand l'arriver là ou entrer dans account ou faire référal et puis la bonne page on va copier code là ou kaba mon inscrit sous lui si mon n'a pas gagné account ou ben mon inscrit sous lui. OK donc c'était ça pour aujourd'hui donc si gagne question gagne chat petit chat là poser question et pour nous capable avancer donc on dit tout le monde merci et me content de est-ce que nous interagir ensemble avec même ça te bail quoi plus chaleur donc avancer et pas oublier toujours garder Orlan. Et puis, faites une révision, même j'en ai l'école normale, côté notre pays, un paquet de problèmes. Après ça, probablement, pour faire le travail, mon mais là, faites ce sacrifice-là pour être capable de venir à Bill et pour qu'on ait gens pour faire l'argent pour vous, grâce à Bullpick. Merci tout le monde. Je souhaite nous passer une bonne soirée et puis, on va voir une autre fois encore. All right, thanks. Merci, Mano. Pas de problème, coach. Habillez poser question tout le monde.